Ça, peut-être que les Français ne le savent pas, mais les Français ont joué un rôle très important pour l'archéologie iranienne parce qu'on a été les premiers quasiment à venir. Donc c'était l'Empire Qadjar à l'époque, fin 19e, début 20e siècle. Et les Français ont eu un monopole des fouilles. Les Qadjars vendaient un peu leur pays à tous les Occidentaux. Donc les Britanniques, forcément plus intelligents, ils ont eu le pétrole. Et nous, on a eu le patrimoine culturel, entre guillemets. Mais ce qui explique que les Français ont joué un rôle très important pour l'archéologie iranienne, et notamment le principal site fouillé par les Français, c'est Suse. Et ce qui explique que le principal musée d'archéologie iranienne à l'heure actuelle, il n'est pas au British Museum, il n'est pas en Iran, c'est le Louvre. Bon. Alors, il y a eu ces fouilles françaises à Suse des années 1880 jusqu'à la veille de la révolution islamique en 1978. Ces fouilles ont montré que le site de Suse est occupé depuis moins 4200 avant Jésus-Christ. Alors, là, je vais faire un petit bémol. Cette histoire vient juste d'être modifiée parce qu'un archéologue iranien a trouvé récemment des couches antérieures à 4200 avant Jésus-Christ à Suse. Donc maintenant, on fait remonter l'histoire du site jusqu'à moins 4800. Donc, on a à Suse un site qui est occupé pendant 7000 ans, de moins 4800 jusqu'à l'heure actuelle, parce que la ville actuelle, qui est tout autour du site archéologique, est toujours là. Donc, c'est une nouvelle phase de l'occupation. Et donc, on a, notamment au 4e millénaire, une ville, une agglomération où il y a un très important édifice, une grande terrasse. On est 1000 ans avant les premières pyramides en Égypte, les premières pyramides à degrés, par exemple, de Djoser. On est quasiment 1500 ans avant la première ziggourate en Mésopotamie, mais on a une importante haute terrasse monumentale vers 3700, 3800. Ça, c'est un phénomène très important. On voit apparaître, fin 4e millénaire, les tablettes ptolémiques à Suse. Au 3e millénaire, on commence, avant Jésus-Christ, on commence à avoir des informations politiques sur cette ville-là. Et cette ville qui était très souvent à la jonction entre le monde mésopotamien et le monde iranien, les montagnes. Parce que c'est une ville qui a très fréquemment basculé soit dans la sphère politique mésopotamienne, elle a été intégrée dans l'empire d'Akkad ou l'empire de la 3e dynastie d'Ur à la fin du 3e millénaire, mais parfois. Tout le 2e millénaire, elle fait partie de l'État des sous-Kalmar, par exemple. Donc, elle est liée au plateau iranien. Donc, c'est vraiment une ville de frontière de ce point de vue-là, et qui a, d'un point de vue politique, a beaucoup alterné. Il y a eu une période, à un moment donné, au 22e siècle, où elle était indépendante, sous le roi Puzur-Sushinak, notamment. D'un point de vue ethno-linguistique, alors ça, je dis souvent ça, quand je disais ça à mes étudiants iraniens, ça ne leur faisait pas un plaisir. Mais d'un point de vue ethnolinguistique, moi je pense que c'est plus une ville c'est la plus iranienne des villes mésopotamiennes, parce que lorsque l'on voit les langues qui sont parlées et les noms propres des habitants, eh bien les noms propres des habitants de Suse, à partir du moment où c'est documenté par les sources cunéiformes à partir de 2200, ils ont majoritairement des noms propres akkadiens. Et donc ça les rattache à la Mésopotamie. Et il y a une minorité élamite ou hatamtite. Donc c'est une ville où il y a, je pense, une majorité acadienne et une minorité élamite ou hatamtite. Donc voilà, c'est une ville vraiment de frontière de ce point de vue-là. La ville de Suse, au 2e millénaire, va connaître un apogée sous les sous-Kalmar et puis à l'époque médio-élamite, dans la deuxième moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et la ville va être laminée au 7e siècle avant Jésus-Christ, par les campagnes militaires néo-assyriennes, Ashurbanipal va laminer la ville complètement. Et il est très probable, lorsque les Perses arrivent, lorsque Cyrus prend la ville, on est dans les années 550, 540, et lorsque Darius premier, va créer le palais, parce qu'il y a un très important palais achéménide à Suse dans les années 520, 510, il est très probable que le site, en fait, n'est qu'une ruine.
Donc, on va avoir un retour de l'occupation. On a une occupation achéménide avec un palais achéménide à Suse. Et on va avoir l'occupation jusqu'à l'époque islamique. On a trouvé l'une des plus anciennes mosquées à plan arabe à Suse, par exemple. On sait qu'il y avait sûrement, à l'époque sassanide, donc du 3e au 7e siècle après Jésus-Christ, une importante communauté chrétienne à Suse. On le sait parce qu'il y a des actes, les actes de certains martyrs qui nous disent qu'ils ont été martyrisés à Suse, ce qui veut dire qu'il y avait des chrétiens à Suse. Voilà. Et lorsque les chercheurs, les voyageurs européens arrivent à Suse au XIXe siècle, le site est complètement abandonné et en fait n'est caractérisé que par le tombeau de Daniel, la tombe de Daniel qui faisait office, qui servait à faire des pèlerinages et qui existe toujours à l'heure actuelle. Et puis la ville moderne, je pense qu'elle n'a repris qu'au début du XXe siècle. Mais néanmoins, on a une histoire quasiment continue de 7000 ans quand même. C'est un phénomène très très intéressant.